Tu veux faire des selfies sous-marins? Là, on est sur du beau selfie. Petit rouge Ferrari, tu vois. Puis, si tu veux faire une petite vidéo de poisson, moi, je te propose la webcam sous-marine. If a fish want to do a live stream, you know? A shark stream. D'où est-ce que je te parle? Où est-ce qu'on est? Alors pour ce vlog numéro 3, on est encore une fois sur l'île de Saba et je vais te présenter une autre partie de, alors pas de mon travail, mais une autre partie de mes jours de congé qui consiste à essayer de passer du temps avec les scientifiques de l'île. Là en fait, je suis à la fondation de conservation de l'île de Saba et je les ai suivis ce matin. En fait, pour filmer un des projets qu'ils ont en cours. L'idée de cette vidéo, ça va être de te montrer un petit peu l'équipe de Saba Foundation et puis aussi de te montrer le projet scientifique en cours. Ça parle des oursins. Et l'idée, eh bien, c'est de savoir si les oursins se développent correctement partout sur l'île. Parce qu'en fait, ils sont très très importants pour le récif. Alors, pour te parler de ce projet, je vais te présenter Ayumi. C'est pas la personne en charge, mais c'est elle qui m'a emmené plonger aujourd'hui et qui m'a montré un petit peu le process. On va accueillir Ayumi. Hello Ayumi. Hello. Hey. Donc maintenant, on va switcher et on va commencer à parler en anglais. Oui. So, oui, oui. Oui. La baguette. La baguette. Oui. C'est délicieux. So, I'm teaching French, you know, the French touch, you know. Yeah. So, Ayumi. Hello. Hello. Thanks for inviting me. So, can you explain to me what we did this morning? So this morning we went to three different locations here inside the Marine Corps. We went to Hole in the Corner, Big Rock Market, and the last one was here in front of the harbor. And at those three different locations inside the marine park, we have sea urchin collect. We call it the Diadema project because the Diadema is the scientific name for the long-spined sea urchin, which was wiped out in the 80s. It was like a big die-off in the whole Caribbean. And we are trying to see where here on Saba we have the highest supply of sea urchins, baby sea urchins, so we can see which location might be most suitable to have the adults to come back to the reefs. Sea urchins are herbivores, mm-hmm. They eat the algae, and when they eat the algae, they make space again for the corals to grow. And corals are again very important for us. Corals are our friends. So that's what we did this morning. We went to those locations, we collected the small mats. Oh, excuse me. Maybe I should show to them what we did this morning. Let's go and see. Right now. You guys are making me nervous! Yeah. Anyone hear a good joke? I'm Jelle van der Velde. I'm captain of the boat of the Lady Rebecca. I'm a Marine Park Ranger. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Thank you.
We're back. Ce matin, on allait récupérer nos samples et maintenant on va analyser ce qu'on a trouvé. Let's go to analyze. Shall we go? Yeah, can you show to me where it yes, is? Yes, let's go. Yeah, cool. Cool. Et on y va. We are professional. We have 3 students today working on the Diadema project. I'll show you what they're actually doing. Them analyzing whatever those mats are collecting. She already managed to find a couple sea urchins, is that correct? Yes. So you can see that these are very, very small. Do you know how old they are? Petit bébé oursin. Et là c'est le moment où tu lui marches dessus. Now here we have the next person helping out. This is Leslie, she also works with the SCF. They get into the water and this water is then put inside the tray. If I understand properly, we are putting this fake grass in some line in different area in the island. It's all written here where this one from. And so you are checking if the population and the larva are growing properly. Yes. Where they're actually coming, yeah. Where they're actually growing from, yeah. That's cool. Ah, nous revoilà dans le bureau. Donc là, en fait, c'est pas mon vrai bureau, hein, c'est le bureau d'Ayumi. Je suis jaloux. Hein. Moi, j'ai une GoPro, elle est là, une caméra requin. Ouais, j'en reviens toujours pas. Pour résumer cette vidéo, qu'est-ce que je voulais te montrer? Ce qui est vachement intéressant avec un récif, c'est que tous les petits éléments, toutes les espèces ont une place à part entière dans le récif. Et chaque individu va avoir un impact sur celui-ci, allant des plus petites choses comme des bébés oursins jusqu'aux plus gros comme des baleines. Et les baleines, on y viendra, t'inquiète pas. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant en fait, de t'emmener et de pouvoir te montrer comment est-ce qu'on analyse tout le projet qui était de recenser et de pouvoir voir dans quelle zone les oursins de mer se développaient le mieux. Et l'idée après, ça va être de favoriser ce genre d'environnement pour avoir une bonne population d'oursins. Parce que, au cas où tu l'aurais oublié, les oursins participent à l'équilibre du récif. Parce que justement, ils vont garder le récif bien propre en mangeant toutes les algues. Ils sont herbivores. Et donc, ils sont très très importants. Je suis content d'avoir pu faire ce petit vlog. En tout cas, on s'est bien marré sur le bateau. Et on va se retrouver à la fin du mois pour une vidéo sur un truc un peu plus gros qu'un oursin. Mais je t'en dis pas plus. Si tu me suis sur Instagram, t'as peut-être vu une ou deux photos. Quoi qu'il en soit, si tu as des questions par rapport à la biologie marine et tu veux des informations sur, sur Saba et sur le parc, ils prennent des volontaires parfois. Donc, bon, ils prennent plus des volontaires hollandais. Mais on sait jamais, tiens-moi au courant et puis on peut échanger des informations dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker. Allez, maintenant il est temps que je rentre son bureau à Ayumi parce qu'elle doit travailler. Donc on se revoit à la fin du mois. Puis à bientôt dans le bleu. Ciao. What is this for? That's for Coral. Okay. Thank you. No problem, thank you.